Ce devait être une banale visite d'État, mais elle a été entachée par un incident sécuritaire. Alors que le président nigérian était attendu à Maïdougouri, dans le nord du pays, quelques heures avant son arrivée, une attaque au mortier a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. C'est donc dans un contexte de sécurité renforcée que le président Muhammadu Buhari a inauguré plusieurs projets à Maïdougouri, dont un pont routier, le premier dans la ville, ainsi qu'un centre éducatif à l'université locale. Dans un discours, il a assuré que le pays ferait preuve de plus de fermeté avec les djihadistes, mais aussi avec les gangs armés qui sévissent dans la région. Ces tirs de roquettes par des djihadistes présumés ont eu lieu près de l'aéroport où le président devait atterrir et à seulement moins d'un kilomètre de la base de l'armée de l'air nigériane.